Vitality, la 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 la. Vitality, la 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 la. On est en finale, on est en finale, on est en finale. Bonjour à tous les potes, les cafardinos, les 80 000 abonnés, on n'oublie rien. Voilà, Vitality est en finale, on va faire le débrief, ça va être le résumé des demi-finales. C'était deux séries de matchs complètement fous. C'était deux matchs magnifiques, exceptionnels, classico, magnifico, exceptionnelito. C'est incroyable que ce soit la première demi-finale entre Astralis et Fnatic qui a été extraordinaire, et la seconde demi-finale, le choc Zywo contre Simple, avec tous les trash talk qu'il y a eu sur Twitter. J'espère que vous avez été sur Twitter regarder toutes ces gourmandises, c'était exceptionnel. Maintenant on va passer directement au débrief avec le premier match Astralis et Fnatic. Fnatic qui a défouraillé nos amis Astralis, 16-9 sur la première carte, et on va pas se mentir, un triple overtime sur Nux. C'était un match complètement magnifique, fou, et clairement, je pense que Fnatic a mérité sa victoire pour le coup, avec l'appui du public. C'était une ambiance folle, et surtout quel superbe match sur Nug, des clutches dans tous les sens. J'aurais aimé avoir une troisième carte, ça ne s'est pas produit. Fnatic a clôturé ça avec Brolan très chaud, Krims très chaud, Fluchak a été moyen par contre sur la demi-finale, mais pour le coup il montre un niveau de jeu exceptionnel sur toute la semaine Fnatic, et je les félicite de montrer ce niveau de jeu avec l'apport de deux nouveaux joueurs il y a même pas quelques semaines. Et Astralis, quel beau parcours aussi, très très beau match de leur part sur Nux. Sur Overpass par contre c'était vraiment très moyen, ils étaient pas dedans, mais c'est une belle semaine d'Astralis. Vraiment je les félicite d'enchaîner finale de l'ESL One New York, demi-finale de la DreamHack Malmo, avec les jet lag, la fatigue, l'accumulation, tout ça. On a vu toutes les équipes complètement échouer, hein, les autres qui étaient aussi à l'ESL One New York. C'est les seuls Astralis à avoir maintenu un niveau de jeu exceptionnel, donc moi franchement je les applaudis, je les félicite de ouf. C'est une grande équipe, c'est des grands joueurs, j'adore cette équipe, je les aime, donc c'est pas grave, j'espère les voir très bientôt. Et bien évidemment, grosse victoire de Fnatic qui va en finale affronter Vitality. Voilà messieurs dames, c'est Navi Vitality, la deuxième demi-finale qui a été remportée par, eh ben, les Français. C'était un superbe match là encore. Enfin non, c'était pas un match de ouf, on va pas se mentir. La première carte, c'est un pic de Vitality, c'est Nuck, et ils se sont fait complètement terrassé. 16 à 6, personne n'y arrivait. Il n'y avait que Zywo, bien sûr, qui était tout seul en positif sur Nuck. Tous les autres, nul. Mais nul. Incroyable, nul, immonde, dégueulasse. Vraiment, moche. J'étais sur Twitter, j'ai balancé du sel comme jamais. C'est waouh, une horreur. Ce match était une horreur sur Nuck. On enchaîne, j'ai même pas envie d'en parler. On enchaîne sur Overpass, et là, on met 16-4 sur le pic de Navi. Et là, pareil, c'est plus du tout pareil, justement. C'est un changement drastique. Tous les joueurs on fire, tout le monde a été excellent. Zywo bien évidemment, RPK a fait un BO3 de dingue, donc vraiment félicitations, bien remporté. Et derrière c'est la dernière carte, c'est 2-2 remporté par Vitality qui comeback, même s'il y a 16-11, ils ont été dominés au début, ils perdaient alors 6-0, 6-1, des trucs comme ça. C'était vraiment pas la joie, et ils ont step up petit à petit, ils ont grappillé petit à petit des petits rounds et tout, et ils ont fait un side, c'était vraiment très très chaud. Et je veux féliciter RPK qui a été monstrueux sur 2-2-2. Bien sûr que Zywo a été monstrueux, comme à son habitude. Il fait quasiment 30 kills sur 2-2-2, mais il y a RPK juste derrière lui qui fait des rounds décisifs, des kills clés. Vraiment, félicitations à RPK qui step up. Voilà, il y a Zywo et Shox tout le tournoi. C'est vraiment le cas, ils ont porté leur équipe jusqu'en finale. Et là, à la demi-finale, on avait besoin de quelqu'un d'autre, et c'est RPK qui s'est réveillé. Donc vraiment, chapeau à lui. Par contre, voilà, les autres,
très moyen. C'était beaucoup plus homogène, mais ça reste moyen. J'espère vraiment que la finale, on va step up tous. Voilà, c'est ça le but, c'est qu'on va step up tous. Et j'espère qu'on va aller chercher ce titre de champion de la DreamHack Malmo et d'aller chercher les centaines de milliers de dollars qu'il y a à gagner. Voilà, c'est la fin de ce débrief. J'espère que ça vous a fait kiffer. Laissez un like, abonnez-vous et vive Vitality. J'espère qu'on va gagner ce fucking championnat de la DreamHack Malmo de la Suède. On s'en bat les couilles, on veut tout gagner.